Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du Bar de l'Ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose que j'ai autour du cou. Je veux vous parler tout simplement du Rhum Fest. Et oui, le Rhum Fest. Pourquoi le Rhum Fest? Parce que ça arrive la semaine prochaine. Je voulais vous parler du Rhum Fest parce que pour une fois j'ai envie qu'on fasse les choses un petit peu autrement. J'ai pas envie juste de faire un retour vidéo sur ce qui va se passer. Parce que j'ai plein d'opportunités de vidéos qui viennent, tout simplement. Et donc, je vais condenser tout ça en plusieurs vidéos. Alors, on va en parler aujourd'hui. On va parler du Rhum Fest. Donc, le Rhum Fest Paris 2024 arrive à grands pas. Je vais y participer, mais je vais également participer à quelque chose d'autre, qui sont les Rhum Fest Awards. Ça fait plusieurs années que ça n'avait pas eu lieu, et ce sont des distinctions. Un petit peu comme les médailles que vous pouvez avoir sur des concours, les concours agricoles, ce genre de choses, ce sont des distinctions que vous allez avoir pour des rhums. Donc je vais participer à cette aventure en tant que juré, nous serons un petit peu plus de 30 à donner des notations. On est sur un système de notation qui est sur 25 points avec une fiche très détaillée, très spécifique pour chaque produit que nous allons avoir. Il y a plus de 270 rhums, je crois qu'il était prévu 300, en tout cas à l'heure actuelle il y en a plus de 270, ça c'est sûr et certain. Donc on va goûter ça le jeudi et le vendredi, matin, après-midi, sous deux sessions le matin, deux sessions l'après-midi, et on risque d'en goûter à peu près 40 par jour, peut-être même un petit peu plus. On sera répartis en groupes, normalement des groupes de 5 ou 6, et on va se faire du coup ces systèmes de notation. Il y a un système de notation classique, c'est bronze, argent et or, et c'est en fonction des points qui sont attribués. Je voulais vous faire vivre cette aventure parce que je trouve ça très cool et parce qu'il ne va pas que se passer ça. Donc le jeudi, je ferai les Rhum Fest Awards, la journée. Le soir, j'ai été invité par Mika de Soul of Spirit pour une dégustation, une masterclass au bar 1802 à l'hôtel Monte Cristo. Il se trouve que le Rhum Fest Awards me paye deux nuits d'hôtel au Monte Cristo, donc le jeudi et le vendredi soir. J'y serai donc logiquement et je vais aussi vous filmer ça. Pas en entier, mais je vous donnerai des briefs parce que ça peut être intéressant. Le thème de la soirée, c'est tout ce qui est spiritueux mexicain. Donc on va parler rhum, on va pas que parler rhum. Il va y avoir sans doute des types de cachaça, des purs jus, et il va y avoir bien évidemment du mezcal et d'autres choses que je connais très peu. Donc ça peut être super intéressant pour moi et j'ai envie de vous faire vivre aussi cette aventure. Le lendemain, le vendredi, on repart sur les Rhum Fest Awards. Et le vendredi soir, il se passe deux choses. La première, c'est la soirée de lancement du Rhum Fest. Je ne sais pas si j'y serai, on verra. Mais la deuxième, ce qui est sûr, là où je sais et où je vous invite à venir avec moi, c'est à la boutique Excellence Rhum, de 18h30 à 20h pour la fermeture. Oh bien, tout simplement, on sera avec cette jolie bouteille. Il y a quelque chose qui vient de tomber, ce n'est pas grave. Avec cette jolie bouteille, ici présente, le petit Travelers, le petit Bélis qu'on a fait avec Excellence Rhum, qui est ma deuxième cuvée. Et il y aura les dernières bouteilles à la vente qui seront dispo à ce moment-là. Bien évidemment, on le dégustera, il sera dispo en dégustation. Et on échangera, pas que là-dessus, sur d'autres choses, sur le monde du rhum, entre nous. Donc, vous pouvez aller vous inscrire à l'événement. Il y a la page Facebook d'Excellence Rhum, je le remettrai en description de la vidéo, si vous voulez venir le soir-là. Si je peux aussi participer à la soirée de lancement du Rhum Fest, on le fera, mais je ne pense pas. Mais j'arriverai en tout cas, a priori, à filmer la Rhum Fest Award de la journée et la petite soirée chez Excellence Rhum le soir. Le lendemain, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, c'est là que tout se commence, pour de vrai, le dur, enfin, le Rhum Fest Paris. Au Parc Floral, à Vincennes, pour ceux qui connaissent, j'y ai habité quelques années sans savoir à l'époque qu'il y avait le Rhum Fest, c'est quand même assez incroyable, je le redis à chaque fois comme anecdote. Et bien tout simplement, la journée, vous pourrez me retrouver entre différents stands, à filmer, à déguster, à boire. Si vous me croisez, n'hésitez pas à venir m'aborder, sauf évidemment si je suis en train de filmer, en train de parler, restez un peu en retrait, mais n'hésitez pas si je filme pas, si je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre, vous me faites un petit signe, un petit coucou, un signe de la main, un bonjour, un chin, il n'y a pas de problème. Alors oui, il y a un moment peut-être que je serai un peu fatigué, en train de manger un truc, etc. Et c'est pas grave, ça me fait toujours plaisir de vous voir, donc n'hésitez pas. Le samedi soir, je voulais essayer de vous retrouver dans un lieu public, dans un bar. Alors j'ai voulu faire un truc sur Vincennes, après j'ai voulu faire sur Paris. J'ai pas trouvé de choses qui me convenaient, donc on fera ça peut-être un petit peu au bonheur la chance. Vous suivez-moi sur les réseaux et on verra ce qui se passe. Et s'il se passe quelque chose, je le filmerai de toute façon dans tous les cas. Le lendemain, le dimanche, c'est la deuxième journée publique du Rhum Fest, pareil, au Parc Floral. J'y serai également, mais je ne serai pas là toute la journée, je serai là sur le début de la journée, mi-journée, et je repartirai en milieu d'après-midi, a priori.
Mais si vous me recroisez à ce moment-là, n'hésitez pas à venir me voir. Pareil, ma journée sera filmée. Je serai donc présent le samedi complet la journée au Rumfest et le dimanche une bonne partie de la journée. C'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu avant parce que je pense que je ne vais pas découper ça en une seule vidéo, mais je pense que je vais faire une journée, une vidéo si j'y arrive, pour le jeudi, une pour le vendredi, une pour le samedi et une pour le dimanche. Je pense que je vais essayer de le découper comme ça. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler un petit peu avant. Mais pour que vous sachiez aussi quel est le programme de l'ours, venir me voir, venir échanger avec moi parce que ça me fait toujours très plaisir de vous croiser. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui se sent de me suivre un petit peu le samedi avec une caméra, la mienne ou la sienne, de me suivre pour pouvoir rendre un petit peu plus dynamique l'aventure, je suis preneur. Si c'est un professionnel et qu'il y a une rémunération qui est demandée, ça peut être possible aussi. Maintenant voilà, si c'est quelqu'un qui connaît le monde du rhum, qui est dedans, qui suit un peu la chaîne, même si c'est de l'amateur, je préférerais être de ce côté-là. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux ou par mail. Pour les quelques conseils que je pourrais vous donner pour le Rumfest, pensez à bien vous hydrater, à manger avant de venir et à recracher quand c'est le cas, parce que des fois, c'est pas forcément extraordinaire ce que vous avez en bouche. Vous pouvez recracher, hein. Sinon, vous allez terminer la journée avec 4 grammes. Ça peut être compliqué pour les choses qui se passent après, même pour le reste de la journée, pour les autres personnes qui sont autour de vous. Ça m'a donné une idée de vidéo, je ferai une vidéo, je pense, sur comment préparer un salon. Ça peut être intéressant que je vous donne un petit peu mes tips à moi, mes conseils, les choses que je fais pour que ça se passe bien. Et j'ai plein d'autres idées de vidéos en cours. J'ai la vidéo sur les fûts qui a été plutôt bien reçue. Vous avez laissé plutôt beaucoup de commentaires très positifs, donc merci pour ces retours-là. J'ai l'impression que ça vous a plu, c'est très cool. On va continuer, vous m'avez donné plein d'idées, n'hésitez pas à en laisser dans les commentaires aussi. Je m'en suis noté plein sur ce que vous aviez donné sur les dernières stories. Et puis, ben moi, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker. Venir sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche, invitez votre ami, vos amis, vos voisins, vos papas, vos mamies, vos grands-parents, vos frères et sœurs, le chien, le chat, tous ceux qui boivent du rhum, et même qu'on ne boive pas, invitez-les à s'abonner. Ça nous fera de plus en plus de monde et on sera de plus en plus. Et comme d'habitude, eh ben, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum, pas plus haut que le Belize. Oui, parce que j'aime bien le Belize.